ce séjour pas corps, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième défi sur les personnages de Super Meat Boy. Donc je vous rappelle le principe, faire les 3, non faire le monde 3 et le monde 5, 17 niveaux comme dans le jeu original, et voir si le personnage tient. Donc cette fois-ci on va prendre Neja d'Aquaria. Jeu que je ne connais pas, donc on voit déjà que le personnage est bien plus rapide que Captain Viridian. Je pense quand même que c'était ce qui lui avait coûté la victoire la dernière fois, mais cette fois-ci c'est le wall jump qui est mauvais. Vous pouvez voir que c'est pas la joie. Cependant, quand on fait shift, voici ce qu'elle peut faire. Oup. Donc en espérant que ça nous aide, ça semble plutôt bien parti pour le monde 3. Ouais. Wow. Le wall jump a failli me coûter la vie. Donc ici, ça a niveau fait totalement de wall jump. Donc on va voir comment elle se débrouille. Avec une inertie assez particulière, il faut l'avouer. Et un wall jump carrément mauvais, il faut l'avouer également. A une inertie vraiment horrible pour le coup. Ok. Donc c'est bon. Elle a vraiment une inertie assez horrible, je trouve. Ok. Ouais, il faut vraiment que je me prenne à l'avance en fait. Ok. Bah pour l'instant ça se goupille plutôt bien, que voulez-vous que je vous dise. Ah ici on a un peu de mal avec ces wall jump. On va passer comme ça. Ouais. Tout à l'heure c'était le manque de vitesse, cette fois ça va être la victoire. Bah c'est surtout un jeu designé pour Meat Boy à la place, à la base. Bien évidemment. Les autres personnages, c'est plutôt des easter eggs. Et c'est surtout pour certains niveaux. Aïe. Sauf les personnages de double jump. Là, je dois avouer que... c'est quand même assez tendu. Wow. C'était chaud. Mais on y sera arrivé. Niveau sûr. Ici, est-ce qu'on peut faire... oui, magnifique. Magnifique fail. Ah, on peut se retourner en pleine attaque. Ouais. Donc on va refaire la même pareil. Si ça veut bien, voilà. Ok. Donc le problème c'est vraiment cette phase, on va passer comme ça. Voilà, donc ça contre un peu le wall jump tout de même, il faut le dire. Pour l'instant c'est à son faute. Hein. Je dois avouer qu'avec ma mémoire de poisson rouge, je ne me souviens déjà plus du score de Captain Viridian. Je crois qu'il y a un niveau qui avait sauté. Non, pas encore. C'est celui-là, le premier niveau qui avait sauté. Et ça sera pas le cas pour Necha, on dirait bien. Ouais. Ça sera pas son cas. Donc, c'est sympa de constater que d'un personnage à l'autre, les difficultés ne sont absolument pas les mêmes. Ah, sinon, j'aurais pas fait deux défis, je pense. Hein. Surtout sur un même monde. Si je fais ça, c'est que je sais bien que le gameplay va être totalement différent. Oh non, c'est dégueulasse. Non, mais tu peux pas me faire ça, le jeu. C'est pas gentil. Voilà. Les missiles, on utilise ça pour se casser. Ah, dommage.
D'ailleurs, sur RP, on voit pas l'animation, ça c'est drôle. Niveau également qui passe crème. Pour le moment, rien ne résiste, on dirait. Hein. Par contre, je vais peut-être faire une petite ellipse parce que je me sens pas super bien. Donc, vous me permettrez une petite ellipse. À toutes, je vais boire un coup, je sais pas, je vais prendre un médoc. Enfin bref, à toutes. Ok, on va se retrouver après un petit verre d'eau pour ma part. Il se trouve que j'ai finalement mal à la gorge, je vais vous enlever ce curseur. Donc, il est tout à fait possible que je parle un peu moins, pas dans cette vidéo. Enfin, que je ne parle pas autant en tout cas. Donc, pour l'instant, les niveaux s'enchaînent tranquillement. Je dois avouer que le vrai challenge, c'est Rapture. Alors, celui-là, ouais, celui-là, ça m'a tout l'air bon. Vous vous souvenez que avec Captain Viridian, on avait eu du mal. Cette fois-ci, c'est bon. Niveau suivant qui devrait être possible malgré le wall jump un peu pourri. Donc au final, j'ai dit que je commenterai un peu moins, mais j'ai l'impression de commenter tout autant. Juste éventuellement, je parle un peu moins fort. Veuillez m'excuser si c'est le cas. Au pire, aïe, je mettrai plus fort au montage. Mais c'est quand même une vidéo que je vais vous faire, franchement. C'est peut-être un début de maladie, ça tombe bien, vu que je vais être en vacances. Enfin, je suis déjà en vacances, étant à scolaire, mais... Je veux dire, je vais pas pouvoir tourner, donc ça tombe bien, vu que pouvoir tourner avec une voix mauvaise... Pas terrible vu que c'est quand même la voix qui est le plus important quand tu tournes une vidéo de let's play ou quoi. Donc oui, ça tombe bien parce que dans la vraie vie je parle pas tant que ça. Et on arrive déjà au 17e niveau. Est-ce qu'on ferait sans faute pour le premier monde? Est-ce qu'on le ferait? Non, parce que Naija a du mal sur ce niveau on dirait. Le problème c'est que je peux pas utiliser son habilité parce que sinon ça va m'enlever pratiquement what ok ça va m'enlever beaucoup de trucs comme ça. Là je peux utiliser par contre ce rattrapage en boucle. Wow, non. Ça semble un peu compliqué d'arriver, on dirait. J'ai un peu de mal, je meurs en boucle. Voilà. On remonte. Voilà. C'est bon. Moi, je dis, on peut faire le sans faute. En tout cas, j'y crois. Voici. Et attention, le dernier niveau, vous vous souvenez qu'on n'avait pas pu le faire avec Captain Viridian ici. Le début passe comme une lettre à la poste. La suite, je pense qu'on peut utiliser la shift attaque qui se fait avec shift. Pour pouvoir passer. Toujours inertie un peu difficile, je dois avouer. Je suis mort bêtement. Je me mets directement sous le missile, comme ça c'est plus commode pour le missile. Je suis juste ça gentil moi. Eh ben, ce fut à sans faute pour Naija. Sans faute sur le premier monde. Et ben, niveau fini. Magnifique. On va directement passer à Rapture. Et ça va nous permettre de mieux voir ce qu'il y a dans le ventre, je pense.
Faut que je ménage un peu ma voix, je devrais pas parler aussi fort. Donc ici ça a l'air quand même un peu moins galère qu'avec Captain Viridian. Ouais, ça a quand même l'air... Ah, dommage. D'ailleurs, au passage, on peut charger à Shift Attack, ça ne fait juste absolument rien. Ça vous fait un peu flotter de manière casse, mais... Hop là. Et si vous touchez seul, le chargement s'interrompt. Enfin, vous pouvez pas faire cette attaque au sol, je veux dire. Là, je fais Shift, ça fait rien, quoi. Ah, voilà. Ok. Bon. Ça semble rondement mené pour l'instant. Ici, ce saut passe tranquillement. Là où j'ai plutôt peur, c'est à l'espacer. Donc finalement, cette shift attaque est un peu dure à maîtriser. Elle est franchement pas géniale, mais elle nous débloque de pas mal de situations avec ce personnage. Donc ici, plus de problème de vitesse, ici non plus. Quoique tout juste s'est passé. Hein. Ouais. Alors je sais pas trop comment je vais passer là, pour être clair. Je sais même totalement pas du tout. Je pense qu'on va se mettre comme ça et qu'ensuite on va passer. Ouais, c'est bon. Comme ça, ça passe. Ici, ça devrait passer. Wow. Et ici, il faut faire une shift attaque pour pouvoir bien monter. Non. Pas cool, le jeu. Pas cool. Si, j'ai l'impression que c'est pas la peine que je m'arrête. Mais non, c'est pas la peine que je m'arrête. Ah, ici c'était super simple en fait. Magnifique. Et ici c'est le problème. C'est bon, c'est passé. Ah, ici c'est tout juste. Hein. Elle a beau avoir une bonne vitesse, c'est quand même pas génial. C'est pas la joie. Assez curieusement, j'ai l'impression qu'elle est comme qui dirait plus lente que Captain Viridian, vu qu'elle ne monte pas aussi haut et qu'elle descend plus bas. Je crois que ça va être ce premier niveau qui ne sera pas finissable. À moins qu'on passe par extérieur comme ça. Waouh. Wow, wow. La gravité est vraiment forte à l'extérieur. Ça te repousse bien comme il faut, quoi. Mais ça passe! Presque. Et ça passe. Passe, oui, ça passe. Ça, c'est beau, oui, madame, oui, monsieur, c'est beau. Ça, c'était moins beau, oui, madame, oui, monsieur, c'est moins beau. Ok. Donc, première partie de passer. Ah, mais on peut passer par là. C'était tout bidon, en fait. Et voilà. Bon, ce fut compliqué. Mais c'est passé. Je sens qu'on va être largement au-dessus des 20 minutes de vidéo. Ça tombe bien. Je ne manque pas de temps pour upload aujourd'hui, vu que je vais être absent la journée.
Ah, clairement, cette attaque est trop. Cette attaque est Chupacora probable. What? Ok. Ça, c'était pas Chupacora probable. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur un sans faute, hein, il me semble. Oui, on est bien sur un sans faute pour l'instant. Oui, attendez que je me rappelle, oui. Bon, on va dire que c'est ça sans faute, je corrigerai au montage au pire. Hein. D'accord. J'ai une mémoire de poisson rouge, je sais. Wow. Ça, c'était du chopage de clé en plein vol. Ou je ne m'y connais pas. Voilà. Pour l'instant, ça va. Hein. La shift attaque compense largement la difficulté à monter. Ici, c'est à fait. J'ai l'impression que si je vais à fond, en fait, j'apprends. Ah non, dommage. J'aurais pensé. Je suis triste. Ok, j'ai pas pris switch. Comment j'ai chopé la clé, vous avez vu ça? D'ailleurs, j'utilise pas, mais c'est vrai que je pourrais utiliser le fait de rester comme ça. Ah là, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux d'accord. Des fois, il suffit d'utiliser un peu sa jugeote. Voilà, niveau fini. 5-8. Qu'est-ce que je pourrais dire pour ce niveau ? Tranquille. Voilà. On peut pas les tuer avec la shift attaque, ça serait juste tellement classe. On dirait pas. Non. On dirait bien que non. Eh non, on peut pas. Là, j'avais pas touché le sol et pourtant. Ouais, bah, on peut pas. Mais purée, mais laisse-moi passer quoi. Sois gentil, sois un petit gentil. Ah, il faut pas, hein. Voilà. Ok. On prend la clé. Et maintenant, pour sortir, on fait comme avec Meat Boy. Toi, t'es bien gentil, mais si tu viens avec eux... Voilà. Et là, on les trace. D'ailleurs, l'autre, comment il est revenu, vous avez vu où je l'ai laissé. Bref. Ok. Deux en moins. Oh, c'est plutôt cool pour l'instant. Le double sans faute serait vraiment classe. Donc on va jouer la sécurité et on va les tuer puis réactiver le switch. Voilà. Et maintenant on va réactiver le switch. Voilà, niveau fini. Pouf, niveau suivant. Ah, ici on peut passer comme ça, tranquillement. Wouhou! Oh, ça aurait été beau, je pense. Oh, ça aurait été beau. On va réessayer. Hein. Oh, bah, c'était beau! Magnifique.
J'ai mal aux oreilles aussi, je pense que c'est avec mon casque. Vous me permettrez d'être encore pas accoutumé à mon casque. Je pense qu'on va essayer de faire normalement. Ça va être plus simple à gérer si vous voulez mon avis. Clairement. Clairement un fail ça. Peu importe le temps que ça durera, hein, je couperai au montage. Qu'est-ce que je fous? Si j'y vais tout de suite, bah voilà, ça passe si je vais tout de suite. Quel imbécile je fais! Ah, comment je suis pas mort? Ah bah cette fois je suis mort. Dommage. Ça faisait un peu sur les bords à gamme ce survivant. C'est dommage, franchement c'est dommage. Oh c'était joli ça. Par contre c'est pas joli à tous les coups. Attends, je me demande si... Mais oui on peut faire ça. Est-ce qu'on essaye de le faire? Ok, on va le faire normalement parce que c'est quand même comme ça que je réussis le mieux. Non! Oui! Oui! Oh, la face, c'était chaud. Alors, celui-là, il faut aller tout au bout. Ah non, je peux pas faire comme ça, c'est dommage. Ça m'aurait bien plu pour le coup. Je peux aller au maximum jusqu'au truc par là. Jusqu'à la plateforme là, voilà. Ensuite, j'utilise ça pour monter comme un ouf. Alors. Ah, dommage, ça sera pas sans faute, on dirait. Ouais, ouais, ouais. On peut toujours essayer avec le boost, mais je n'y crois pas vraiment. Pour ainsi dire, pas du tout. Ouais, je n'y crois pas, donc on va passer au niveau suivant, mais c'est pas grave, hein. On aura tout fait. Voilà. Ouais, bah. Easy peasy, je pense qu'on peut dire, voilà. Wow. Je crois que c'est un glitch aussi avec son attaque, mais alors je ne sais absolument pas c'est quoi. Il me semble, hein, c'est juste un vague souvenir que j'ai. Et si on réussit ce niveau, ou un autre, le 19 ou le 20, ou le 15, si on arrive à revenir au 15 et à finir, mais je pense pas que je vais le faire, on aura fini le test concluant, contrairement à Captain Viril. Alors si je teste pas tout le monde, c'est parce que j'ai pris du représentatif. Hein. Déjà là, ça dure plus que 20 minutes. Donc bon. Donc là, on a réussi le test. C'est juste pour voir si on peut en faire 19 sur 20. Ce serait cool 19 sur 20. C'est une bonne note. Il
vous me direz, moi, dans mon truc, je tolère au minimum 17, donc... Okay. Ah, le wall jump a failli nous jouer un mauvais tour. Hein. Donc, on est à 18 niveaux sur 20. Là, on va tranquillement les faire s'abandonner. Voilà, de cette manière. Cette inertie, vous avez vu ça? C'est chaud, moi je vous dis c'est chaud, cacao. Bref, c'était une blague pourrie. Waouh, en plein racine, magnifique. Je veux pas paraître rabat-joie, mais on dirait que celui-ci n'est pas finissable non plus. Wow. Bon, vous savez quoi? Enfin, emmenez-lui. Il me gêne trop. Et on va les faire dégager. Voilà. Hop là. Vous dégagez de mon niveau. Donc ici, c'est possible. Next. Oh. Bon. Ça va être chaud. Mais c'est faisable. J'y crois. J'y arriverai. Tout ça, tout ça. Ouah. Il y a vraiment une inertie de malade. Hop. Il n'a pas voulu que je saute. C'est nouveau. Ok, vous restez tout ça. Oh, sérieux. What? Des fois, ça veut pas shift attaque. Non, non. Ok, ok. Ok. Non, pas cool, pas cool, pas content. Non, pas cool non plus. Là, c'est le moment de faire des ellipses. Hein. Ouais, ça on est passé et ça on devrait pouvoir le passer. Oh, j'ai flippé que j'étais allé trop loin et que ça m'avait tué. Et voilà, donc 19 sur 20 pour Nature. Donc, test très concluant pour Ninja qui est totalement viable, bien qu'un peu lent je trouve, et avec une inertie un peu folle. Donc sur ce, pour moi ça fait déjà 30 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là en comptant la petite pause entre les deux. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Bah, on va peut-être faire un épisode, on va passer sur Meat Boy et faire des niveaux plus compliqués, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Et sur ce, c'était Jeupaco pour le deuxième défi des personnages avec Neja qui a passé le test 20 sur 20, 19 sur 20. Bien joué à elle. N'hésitez pas à aimer, encore une fois, à donner votre opinion là-dessus puisque cette fois le test s'avère réussi. Comme quoi, ce n'est pas perdu d'avance. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir plus de vidéos. Allez, ciao tout le monde, c'était Jeupacor.